Et bonjour à tous les amis, c'est le grimpeur de B, donc c'est pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2017 sur mobile. Donc on va continuer notre carrière, pardon, sur le Critérium Dauphiné, la deuxième et la troisième étape, avec notre équipe Squadra Corsica, et on se retrouve tout de suite sur ce jeu, le Tour de France 2017. Et donc je suis Rola. Donc c'est parti. Allez, au compteur, une étape de montagne de 171 km. Donc on va essayer d'échapper à un coureur. Moins quoi. Donc vous allez voir ma technique. Donc, mon équipe. J'ai oublié de vous présenter. Mon équipe. Donc voilà. Yann Barta. Calvin Reda. Greg Van Avermaet. Daniel Tetré et Menotte. Et Christian Jurasek. Voilà ma composition de mon équipe. Donc c'est parti. C'est bon. C'est parti pour l'étape 2. Ok, objectif, gagner l'étape. Donc le grimpeur qui commence direct, donc oh, un point cool. Oh, c'est Greg Van Avermaet qui a le maillot. On va mettre la marque. Et voilà, c'est leader. Mince. Mais attendez, c'est pas ma composition de l'équipe là. J'ai pas Dany Tekle et Manotte. On fait échapper Greg Van Avermaet. Le maillot à poids. Donc, désolé si ça bug un peu. Là, il est mort. Non, rattrapez l'échappée vite. C'est bien lui qui a attaqué. Allez, essayez. Tant qu'à faire, hop. Et encore une victoire. Faut encore un col passé. Allez vite, au moins celui-là. Allez, allez, allez. Hop, on se fait reprendre. Mince. Je suis parti un peu en retard. J'espère que ça va le faire.
Ouais, on va changer de leader. On va rouler pour lui. Oui. Ouais. Porter le ravito. Allez, apporte le ravitaillement. Bon, c'est un peu en retard là. Oh purée, mince. Pas le faire attaquer. Allez, on attaque. Et oui, victoire. Avec Miel Godas. Et on a remporté la victoire. La deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Et peut-être on va prendre le maillot jaune. Bon, le ravito, il est là, mais bon. Il sert un peu à rien, on est arrivé. Il fait quand même quatrième. Et on dit, en mettant Greg Van Avermaet apporteur de ravitaillement, et ben il finit quatrième. Ben, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Allez, tout de suite le classement. Attention, ça charge. Alors, classement. Alors, fille le son, j'ai eu un message. Oh yes! Niveau acquis. Je suis niveau 4. Bon, voilà. Attendez, parce que je regarde un truc, j'ai eu un message. Qu'est-ce que c'est? Avec feu le sang. On parlait de lui, j'ai pris un truc comme ça. Pas trop eu le temps de lire. Pourquoi j'ai pas eu mon équipe? Bon allez, on continue la troisième étape. Alors au compteur 184 km avec 3 cols de 4e catégorie et 1 col de 3e catégorie. On part de Le Chambon sur Lignon et on arrive à Tulin. À signer. Ils sont en forme, les coureurs. C'est parti. Et on a le maillot jaune avec Miel Godas et le maillot à poids avec Greg Van Avermaet. Donc encore une fois, on va essayer de faire attaquer Greg Van Avermaet. Allez là. Oh. Allez. Donc on a le maillot vert normalement aussi. On a le maillot vert avec Miel Godas. À moins que non, je sais pas. Deuxième, il rattrape bien. C'est bon, il est en tête. Il est en tête avec 3 hommes en échappée. Allez, le sprint, allez. Donnez tout!
pas voir le sprint. Ok, il est tout seul. Donc les deux, on va réussir à... Il a déjà plus d'énergie. C'est pas grave, au moins, il conforte son maillot à poids. On va directement créer un... pour le laisser tranquille. Il y a Godas. On va essayer de tenir le maillot jaune avec lui. Donc désolé si j'ai pas fait la première étape. Je vais vous dire le résumé. Ben, c'était une étape un peu foireuse de mon équipe. J'ai oublié de les faire attaquer à la fin. Je les ai fait attaquer, mais trop tard. Et hey, tiens bon, hein, Greg Van Avermaet. C'est bien ce qu'il fait. Bon, il va être rattrapé. On va essayer de le rattraper. Peut-être qu'il va nous servir de... Toujours en échappée. Eh ben. Cinquième. Un quoi? What? L'échappée s'est fait reprendre. Non, on prend pas encore. Mais Greg Van Avermaet est deuxième, donc à moins qu'il soit à l'avant du peloton parce qu'il n'y a pas. Bientôt attaqué. Greg Van Avermaet apporte le bidon, le ravitaillement, pardon. Et on va attaquer. Vite, 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 vite. Ça s'échappe. Ça s'échappe, pardon. Allez, allez, allez. On tient bon. On doit rattraper ces trois coureurs à l'avant. Il n'arrive pas à tenir, mais... Il n'arrive pas à tenir la roue. Ah, ça y est, reviens. Ouais. Oh, Greg Van Avermaet. Et si on allait faire le sprint avec lui? Et si on allait faire le sprint avec lui? Ouais, non. On va essayer de gagner du temps. Et... J'avais déjà créé. Oh non. Oh non. Mais c'était quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh purée, on a raté l'étape. Troisième. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'avais fait attaquer le train et tout d'un coup, il n'y a plus de train. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas pu sprinter. Donc, on va voir si... Il y a une rumeur, un message que mon équipe aurait, enfin cherche un sprinter, un nouveau sprinter. Donc rendez-vous demain à l'étape 4 du Critérium du Dauphiné.
Étape 4, c'est un contre-la-montre. Bon, je ne sais pas si c'est contre-la-montre par équipe. Distance 23 km, le tour du pain, Bourgoin-Jallieu. Et on se retrouve ça demain. On se quitte là-dessus, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.